C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite. Le spectacle d'aujourd'hui à la Maison des Leclerc, c'est un concert lyrique, donc de la mélodie française, Debussy, Fauré, Poulenc, Satie. Mais on a aussi quelques extraits d'opéra, en français toujours, donc c'est un spécial lyrique français. L'amour, l'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi, c'est une amère. Ce projet-là, comme tel, il est venu parce que je cherchais justement à me cultiver par rapport à la mélodie française et tout ça. Puis j'arrivais pas à entendre les chansons telles qu'elles devaient être chantées. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a une lacune à ce niveau-là. Donc, aussi, il y a quelque chose de plutôt vieillot dans la façon d'articuler qui est peut-être... qui, selon moi, avait intérêt à être réactualisé. Donc, parce que c'est des poètes, hein, c'est des poèmes. Donc, c'est important qu'on entende bien cette poésie-là. Le poème bagarde au berceau. L'impression d'avoir une meilleure fusion avec le public quand il y a une proximité. Il y a beaucoup de chanteurs qui trouvent ça plus difficile de voir le public, d'être parmi eux au même étage, etc. Mais pour moi, en fait, peut-être que c'est parce que j'ai plus d'expérience aussi dans ce contexte-là, mais c'est quelque chose qui me manquerait, je pense. Ben, j'en ai fait là, des grosses scènes, puis je dirais que c'est une autre approche. Je l'aborde pas vraiment ce show-là encore comme une puriste. C'est mon objectif, c'est-à-dire de respecter le plus possible la volonté des compositeurs. Puis en même temps, bon, je suis une performeuse. Alors, ce qui compte, c'est que les gens passent un bon moment, qui apprécient. Alors, souvent, je vais sacrifier un peu la technique à l'interprétation. Parce que c'est ça qui est important pour moi, c'est que les gens ressortent du concert avec, avec une impression d'avoir vécu toutes sortes d'émotions et que ça a bougé, là.